Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment l'artiste Subervi a réalisé l'œuvre d'art, le tableau noir. Let's go! Donc voilà, le principe en fait c'était que je souhaitais faire un tableau noir. Ça m'avait inspiré lorsque j'avais visité le musée à Montpellier, le musée de Soulages. J'avais trouvé que d'avoir des nuances de noir était très intéressant. Donc en fait, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Évidemment, cette pièce-là, que vous voyez là, c'est du fer, avec des différentes façons de le marteler, de façon à donner des éclairages différents. Et au lieu de le peindre en noir, j'ai accentué l'idée d'avoir ces nuances de noir en le chauffant et en utilisant une huile de façon à ce que le fer s'imprègne de l'huile et ne soit pas simplement une peinture, un surfaçage de peinture, ce qui n'avait aucune qualité finalement. Donc là, ce qu'il faut, c'est que le fer chauffe et ne se déforme pas. Toi, tu me dis quand tu as fini le chauffage. Hein. Ça va ? On le met, on y va. Vas-y. Vas-y. Alors évidemment, on voit que là, il y a plus de noir. Là, il ne prend pas. Il va falloir en mettre un peu plus, voilà. Et c'est ça qui va donner la nuance de noir. Voilà. Donc le fer est en train d'absorber. C'est ce que faisait... On traitait les canons comme ça, en les chauffant avec de la cire. Alors moi j'ai déjà travaillé avec la cire, mais là je voulais avoir du noir. La cire n'aurait pas été noire. Voilà. Alors ça va durer très longtemps puisqu'il y a tout ça à faire. C'est assez long à faire. Enfin voilà le principe.